الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله عظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique, et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adoré qu'Allah. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Vous connaissez la tradition des cours maintenant, alhamdulillah. Nos shuyukh ont énormément insisté sur le fait de se rapprocher quand on fait un cours. Et ça c'est surtout pour Nail al-Baraka, pour tenir la baraka du groupe. Parce que vous savez que, alhamdulillah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yadullah ma'al jama'a. La main d'Allah est sur le groupe. Il a aussi dit, il est dit dans le fiqh maliki, dans l'école malikite, par exemple, al-hajj, al-hajj. Vous voyez, quand on est à Arafah, comme vous savez tous, Arafah c'est un pilier de l'hajj parmi les quatre piliers, al-hajj ou Arafah, eh bien, il est recommandé de ne pas rester isolé à Arafah, dans son coin, mais d'être là où il y a la masse des gens. Tout ça parce que c'est là où les rahamats descendent beaucoup plus. Donc lorsque, alhamdoulilah, on est tous réunis, alhamdoulilah, bien évidemment, la miséricorde d'Allah, elle peut te toucher, même si tu es au fin fond de la pièce. Ça, il n'y a pas de, alhamdoulilah, de doute là-dessus. Mais dans un hadith authentique, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il a parlé des règles de l'assise, il a parlé de certaines personnes qui écoutent au loin. Et comme quoi, ils n'obtiendront pas la récompense parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas partie du cercle. Quand la cité, il a dit, il y a des gens qui viennent pour écouter, il y a des gens, ils viennent parce que peut-être qu'ils ont, sont juste venus pour la salat, et puis ceux-là ne sont pas concernés par la récompense, etc., etc. Et pour être sûr d'être concerné par la récompense, on se rapproche, alhamdoulilah, et tout va bien. Donc, Inch'Allah, parmi les signes de la fin des temps, on continue notre série, Inch'Allah. Donc, on est sur les signes intermédiaires de la fin des temps. Attends, juste à titre d'info, pour rappeler, j'aimerais bien vous entendre, les signes de la fin des temps se divisent en combien de catégories? Deux. Qui dit mieux? Trois. Oui, c'est un ulama, ils l'ont divisé en deux catégories. D'autres, ils l'ont divisé en trois catégories. Il n'y a pas vraiment de quelque chose de meilleur que l'autre parmi les deux avis. Simplement, ceux qui l'ont divisé en deux catégories, ils ont juste dit que c'est des signes mineurs et des signes majeurs. C'est-à-dire qu'ils ont inclus les signes intermédiaires dans les signes mineurs. Et ils n'ont pas appelé les signes intermédiaires. Les shuyukh et les ulama qui sont entrés dans la précision des ahadiths du jour de ce qu'on appelle ahadith ul fitan, les hadiths relatifs à la fitna, ahadith ul fitan. Rappelez-vous de ces termes, c'est très important dans le mustalah al hadith. Hadith ul fitan, c'est les hadiths qui relatent tous les hadiths par rapport à quoi? Au signe de la fin des temps, aux troubles, etc. D'autres qui sont pointus un petit peu, ils ont dit parmi les ulama, il y a des signes intermédiaires, c'est-à-dire intermédiaires entre les signes mineurs et les signes majeurs. Pour comprendre c'est quoi un signe intermédiaire, il faut comprendre c'est quoi un signe mineur et c'est quoi un signe majeur. Les signes mineurs, c'est quoi? C'est tout ce qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé. Que ce soit à son époque ou après lui. C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et dans lesquels ils se sont produits. Les signes majeurs, c'est quoi? C'est tous les signes de la fin des temps que le prophète sallam nous a informés, mais qui ne se sont toujours pas déroulés. On appelle Asharat Sa'at al-Kubra. Tel que l'apparition du Dajjal, de Isa alayhi salam, de l'Mahdi, de la guerre entre les musulmans et leurs opposants, du Nar sortant parmi les signes, le feu qui sortira, du Yémen. Et aussi la fumée, Dukhan, Dabbatul Ard, la bête qui sortira, etc. Le soleil qui se lèvera de son opposé. Tout ça, c'est des signes de la fin
des temps majeurs. C'est quoi la différence entre les mineurs et les majeurs? On l'a dit, mineur, ça veut dire que c'est déjà déroulé ou ça se déroule. Vous voyez? Majeur, ça ne s'est pas encore déroulé, mais le jour où le premier va se dérouler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité la métaphore comme un collier de perles que tu coupes et que chaque boule se suit après que tu l'aies coupée. C'est-à-dire que ça va être très rapide. Les grands signes de la fin des temps, ils vont se suivre successivement. À peine le dégel va apparaître, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, il y aura la descente de Issa. À peine Issa alayhi salam, il va tuer le dégel, il y aura les Gog et Magog. À peine les Gog et Magog ils vont sortir, il y aura juste par la suite, après qu'ils vont mourir, Dabba qui sortira de la terre, etc. etc. Taban, est-ce qu'il y a un ordre chronologique des signes? Concernant les signes mineurs, non. Mais on peut citer un ordre chronologique par rapport au fait passé, duquel le prophète Semi l'a relaté. Les faits passés. Par exemple, le prophète Semi a dit, l'heure ne viendra que lorsque les gens autoriseront istahillun al-hirra wal-hira wal-ma'azif, etc. Al-hadith. Les gens, ils autoriseront la musique, la soie pour l'homme, l'or pour l'homme, etc. L'alcool. Même l'alcool, ils vont l'autoriser. Subhanallah. Al-Khamra, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on retient? Les ulama qui ont dit les signes intermédiaires, ils ont fait la distinction entre les signes qui sont déjà passés et qui sont mineurs, et les signes qui sont encore en train de se passer et qui sont toujours mineurs. Tels que l'apparition des troubles, l'apparition des chanteurs et des chanteuses, Al-Harj, l'apparition des meurtres en série, ça on l'a vu dans les autres cours précédents, etc. Ou encore, ce qu'on va voir aujourd'hui, une panel de signes que Al-Hudhayfa ibn al-Yaman va nous citer dans son hadith. Taban, qui est Al-Hudhayfa? Al-Hudhayfa, c'est un compagnon, dans Ilm al-Hadith, on l'appelle, c'est celui qui a rapporté le plus de hadith dans Mawdou' al-Hadith al-Fitan. Tout ce qui concerne les hadiths des troubles. C'est le Hudhayfa qui a rapporté le plus de hadiths là-dessus. Écoutez ce hadith. Parmi les signes de la fin des temps, l'homme, il sera honoré, makhafata sharri. C'est-à-dire qu'on donnera des salaires, on honorera la personne parce qu'on a peur de son mal. Et pas que ça. Et des affaires qui mènent vers ce qu'on appelle le bala. Qu'est-ce que le bala? Le bala, c'est le mal. Regardez ce qu'il a dit, Ali ibn Abi Talib dans le hadith qui est marfou', il a dit « إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَةَ عَشَرَ خِصْلَ حَلَّ الْبَلَى » Lorsque ma communauté, il rapporte ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va faire 15 actions, 15 choses, voilà qu'apparaîtront les troubles ou le mal dans ma communauté. Et il les a cités. Il a dit, إِذَا كَانَ الْمُغْنِمُ دَوْلًا إِذَا كَانَ الْمُغْنِمُ دَوْلًا طبعاً, qu'est-ce que ça veut dire? الْمُغْنِمُ هُوَا صَاحِبُ الْغَنِيمَ يَسْتَأْثِرُ بِهَا أُنَاسِ وَلَا يَصْرِفُهَا فِي يَعْنِي مَظَانِهَا الصَّحِيحَ. Le premier, parmi les 15, c'est lorsque la personne à qui on a confié la distribution du butin, on parle de butin post-guerre, post-bataille, eh ben, il trahira la distribution. C'est-à-dire, en d'autres termes, il prendra tout pour lui, comme si c'était le butin qui lui appartenait, qu'à lui, et il ne la distribuera pas, comme c'était, ce fut à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh al-ghulul. D'ailleurs, Allah Ta'ala le rappelle même à notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans surat Al-Imran, dans lequel il dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يُغَلْ وَفِي قِرَاءَ أَنْ يَغُلْ. Il n'appartient pas à un prophète de tricher sur ça. Al-ghulul, c'est une espèce de triche, le fait de dérober quelque chose sans l'accord de l'autorité qui détient cette chose-là. Ensuite, il dit « وَالْأَمَانَةُ مُغْنِمَا ». « الْأَمَانَةُ مُغْنِمَا », ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que les dépôts seront trahis. Et encore pire que ça, c'est-à-dire, quand quelqu'un, on va lui confier un dépôt, de l'argent par exemple, eh bien, il va penser que c'est son butin à lui, que ça lui appartient, et il va en faire n'importe quoi avec. Soit il va manger, il va boire avec, soit il va faire des projets, etc. Alors que c'est une amana qu'on lui a confiée à la base. Donc il va se l'approprier. Et c'est ce qui veut dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Wal amanatu mughnima ». La amana, pour lui, ce sera comme un butin. « Waz zakatu mughrima ». C'est-à-dire quoi ?« Au mughrama ». Que la zakat, elle sera, c'est-à-dire qu'elle sera, maintenant quand on va confier la zakat, etc., ou quand les gens devront donner de la zakat, ils vont se plaindre. Ils vont penser que c'est une charge lourde pour eux. Comme mughrima, c'est-à-dire, d'ailleurs, gharama, qui veut dire amende, vient de là, les amendes. Comme si la zakat, eh ben, c'est un impôt qu'on les taxe, ils n'ont pas le choix, ils vont la donner à contre-cœur, en d'autres termes. Et c'est ce qui est arrivé avec Harb al-Ridda, avec qui? Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah. Avec ceux qui ont, dans la guerre des apostats, ceux qui ont refusé de payer la zakat. Abu Bakr, il les a combattus à cette époque, radiallahu anhu. Et il a dit « Wa ata'a ar-rajul zawjahu wa 'aqqa ummuhu 'iyadan billah ». Isma'u, isma'u, wa'u. Il a dit « Wa ata'a ar-rajul zawjahu wa 'aqqa ummuhu ». Et l'homme obéira à sa femme tout en, quoi? Tout en se séparant de sa mère. Tout en tournant le dos à sa mère. Tout en coupant les liens filiales avec sa mère. C'est-à-dire que sa femme, elle sera plus haute que sa maman. C'est-à-dire que sa maman n'aura plus aucune valeur. C'est-à-dire que la parole de sa femme, c'est la plus importante. Mais la maman ne vaut plus rien. Il va mettre au devant la parole de la femme et il va délaisser carrément, voire même il va se séparer de sa mère. Des histoires comme ça, il y en a des panes à la habbati. Et on le vit, on le revit encore, et les compagnons même l'ont vécu à leur époque. وَبَرَّ صَدِيقُهُ وَجَفَى أَبَاهُ. Allahu Akbar. Et parmi encore les signes qu'il a cités, parmi les 15, où il faudra s'attendre à l'apparition de l'Bala, il a dit, sallallahu alayhi wa sallama, وَبَرَّ صَدِيقَهُ. Voilà qu'il se montre bon avec son ami, et il se montre désagréable avec son père. Avec son pote, labas. Avec son père, manque de respect, insulte, voire même agression, voire même, etc., etc. Les dernières infos que j'ai eues d'un papa de famille, c'est qu'il se plaint que son fils, il le séquestre à la maison. Allahu Akbar. Un papa de famille, assez âgé, il se plaint que son fils le séquestre à la maison. Je ne sais pas si vous voyez un peu le contraste. Il se plaint de son fils parce qu'il il ferme la porte à clé sur lui. Vous croyez pourquoi? Parce que son père, tellement, tu vas où, si ça, c'est ça, tu sors pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les clés, il dit maintenant c'est toi qui vas pas sortir. Et il lui ferme dessus. Pour aller où les frères? Avec ses potes à la chicha. On est pile dedans. Pile dedans. وارتفعت الأصوات في المساجد. Et les voix et les hurlements seront en prépondérance dans les mosquées. Allahu Akbar. Combien de personnes, hormis, bien sûr, le seul qui a le droit de hurler sur le mimbar ou quand il fait un dars, c'est l'imam. Comme le prophète sallam le faisait à la mosquée jusqu'à ce que ihmarra wajhu, son visage devenait tout rouge. Mais hormis celui qui prêche et qui sermonne pour un but, un intérêt, il n'a pas le droit de hurler au masjid. C'est très grave. D'ailleurs, il y a même un récit là-dessus dans lequel Omar radiallahu anhu, il avait, c'est Al-Madina, vu des jeunes en train de réciter le Coran, deux jeunes. Ils récitaient le Coran al-Karim à haute voix à la mosquée. Vous imaginez? Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a pris un caillou comme ça, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de tapis à Al-Madina, donc il pria même le sable. Il a pris un caillou comme ça, il leur a jeté dessus pour attirer leur attention. En gros, tournez-vous vers moi. Dès qu'ils ont vu le caillou, eh bien, ils sont retournés en direction d'Omar. Et là, Omar leur a dit, vous venez d'où? Ils leur ont dit, on vient de Taïf.
Omar radiallahu anhu, il a dit, vous avez, alhamdulillah, en d'autres termes, la chance d'être de Taif. Parce que si vous avez été de l'Madina, je vous aurais fouetté. Parce que vous récitez le Coran à voix haute, vous dérangez les autres. En gros, vous êtes nos invités, je ne peux pas me permettre de te faire ça. Et il était dur, vous connaissez Omar radiallahu anhu dans son tarikh et dans sa tarjama. Irtafa'at al-aswat. Taba'at. Les ulama, ils ont divergé, c'est-à-dire quoi? Irtafa'at al-aswat. Les voix vont s'élever dans les mosquées. Est-ce que c'est les disputes? Est-ce que c'est les récitations du Coran en groupe? Quand je dis en groupe, c'est-à-dire les halaqat, etc. Est-ce que c'est parce que chacun il va parler d'un côté, l'autre d'un côté, l'autre d'un côté, et du coup ça va créer une espèce de, subhanallah, de cafétéria à la mosquée? Le plus juste, c'est que c'est tout ce qu'on a cité rassemblé. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes, ce qui appuie ce hadith, c'est un autre hadith authentique dans lequel le prophète sallam, il a dit, ils considéreront la mosquée comme étant un lieu de passage. Ils rentreront par une porte pour en sortir par l'autre. Et ça, c'était le hadith qu'on avait vu il y a quelques semaines. Donc, en d'autres termes, les lieux saints dans lesquels on adore Allah, tabaraka ta'ala, ne seront plus respectés. Au point où on élèvera la voix. Il y a même des ulama parmi les mufassirines, les shurrah du hadith, ils ont dit, certains, ça fait allusion à ceux qui feront du commerce à la mosquée. Venez, achetez chez moi, c'est moins cher. Et ils iront chercher les fidèles à la mosquée pour justement vendre leurs produits dans la mosquée, à l'intérieur de la salle de prière. Chose qui est bien sûr réprouvée, voire même interdite dans certaines écoles. Et donc, irtafa'at al-aswat fi al-masajid, aujourd'hui on le vit. Il suffit qu'il y ait une dispute, les gens maintenant ils ne chêment plus. Ils se bagarrent dans les mosquées. Les gens ils se disputent dans les mosquées, ils insultent dans les mosquées. Combien de masakin, les premières victimes, c'est les imams. Combien d'imams à peine ils finissent une salat parce qu'il a fait la première raka'a trop longue, la deuxième longue. Il sort à peine la prière, il entend des gens, ça crie. Hey, c'est quoi ça? T'as cru à fatanun anta? Tu commets la fitna ici, dans la mosquée, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens ici. Est-ce que déjà ça se dit? Ça se dit pas ces choses-là. La dernière personne qui s'est plaint à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir prié derrière un imam qui a dirigé très longuement la salat, elle est partie voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui faire part de cette problématique. Comme quoi Mu'adh ibn Jabal, il nous a dirigé la salat, et elle était trop longue pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est parti chez Mu'adh, il lui a dit « Affattanun anta ya Mu'adh ?» Commets-tu la fitna? Ou veux-tu commettre un trouble, ya Mu'adh? Ou es-tu un troubleur, toi, ya Mu'adh? Pourquoi il lui a dit ça? Vous savez qu'est-ce qu'il a récité, Mu'adh? Surat al-Baqara. C'est compréhensible. C'est normal que quelqu'un il se lève derrière, il n'est pas content. Surat al-Baqara, là, c'est compréhensible. Durant salat, 1h30, 2h, ça dépend de la récitation, c'est long. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il ne veut pas pour nous la pénibilité. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le défi, il a été levé. Maintenant, pour une demi-page récitée, ça crie. Par rak'at. Une demi-page. Même il récite en hadr. Un jour, ça m'est arrivé. On m'a fait une réflexion, c'était pas là, c'était à Strasbourg. Écoute, c'est un peu trop long et tout ça. Je dis d'accord. Tu pries là l'Isha? Il m'a dit ouais. Je dis ok, c'est à le Maghreb. On vient à l'Isha. Il est venu à l'Isha. J'ai récité Mudhammatan. Dans Surat al-Rahman, le plus petit verset du Coran. Allahu Akbar. J'ai fini ma salat. Et il est venu me voir, il m'a dit, ah, barakallahu fik et tout ça. Je lui ai dit, bah, tu vois, regarde, là, ce que j'ai fait, pour moi, c'est autorisé dans la sunna. Mais à cause de toi, en plus, t'es jeune, t'es fort, t'es costaud, les gens vont se priver d'une méditation de certains versets d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu ne supportes pas que 3-4 versets soient récités par rak'at. Pour toi, c'est trop long. Il a rigolé. Il a dit, dans ce cas-là, tu aurais dû faire juste Mudhamma Wahida, c'est tout. Et il est parti. Mudhammatan en arabe, ça veut dire deux. Deux Mudhamma. Le an à la fin, ça indique quoi? Le duel. Il m'a dit, ah, mais il fallait juste dire Mudhamma une seule, c'est tout.
Je sais pas si vous voyez un peu. Catastrophique. C'est-à-dire, même Moudham Matin, ils ne sont pas contents. Vous allez voir les futures générations qui vont venir. Vous croyez qu'ils vont se barrer avec vous? Ils ne savent même pas c'est quoi le qira'a. Oh, il qira'at. Tu récites, il dit al-zirat al-mustaqim, tu dis zirat, oui, qu'est-ce qu'il raconte, zirat, alayhum. Tu entends déjà dire alayhim derrière. Sahbi, il est moujaz, il a l'ash al-qira'at. Pourquoi tu viens, tu crées la fitna? Il a l'ash al-qira'at. Ala al-aqal, tawada. Il y en a, ils ont du mal à accepter cela. Parce que c'est nouveau, c'est rarib pour eux. Ajib. Que tu l'acceptes pas ou tu l'acceptes, c'est ton problème. Mais que tu parles en montrant ton mécontentement, tu crées la fitna. Et le prophète Sam, il a dit, « Al-fitnatu na'imatun illa man ayqadaha. » La fitna, elle est endormie. Elle se réveille que celui qui veut la réveiller. Parce que quelqu'un aura voulu la réveiller. Très dangereux. Donc à la suite, il dit, « Wa kana za'imul qawm arzaluhum. » Et la personne qui était... qui possédait un grand statut dans la société, eh ben sera la plus insignifiante pour les gens. Les vraies personnes qui doivent être considérées seront considérées comme étant les plus insignifiantes auprès des autres personnes. Et là, il a dit, et là, l'homme, il va faire œuvre de charité de crainte que l'autre personne lui fasse du mal. C'est-à-dire, il va venir, il va dire, tiens, ne me fais pas de mal, je te donne ça, mais ne me fais rien. C'est ce qui arrive, les frères. Vous allez au bled, à la douane, il y en a, ils ont peur, ils donnent les choix, si, ça. On vit en plein milieu. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. C'est vraiment des milliers de personnes qui sont dans ce cas de figure. Et là, la suite, il dit, wa sharibati al-khumur. Et le vin ou l'alcool sera bu à flot. Et la soie pour l'homme sera portée. Taban al-harir, ça veut dire la soie en réalité. Mais c'est pas n'importe. Ce n'est pas uniquement spécifique à la soie. C'est aussi spécifique à tout ce qui est de la même valeur que la soie. Il y en a, subhanallah al-azim, dernièrement, quelqu'un, quand je dis dernièrement, c'était l'année dernière, il avait un t-shirt. Et il était avec son ami. Son ami lui touchait le t-shirt comme ça, il dit oh, ne tire pas trop mon t-shirt là. Il a coûté cher. Il lui a dit ah ouais, combien? Je sais plus, je crois qu'il lui a parlé en 1000 euros, 1200, 1000. Vous savez, c'est quoi le t-shirt? Il y a des yeux. Je crois que vous connaissez, j'en suis sûr, vous êtes à la page. C'est ça, il y a des yeux? Je crois que c'est jaune, noir. Hein? Voilà. Wallahi al-Ali al-Kabir, ça m'a choqué. Il met un t-shirt de je sais pas combien de centaines ou bien de milliers d'euros sur son torse. Mais c'est pire que la soie. Va mettre la soie, c'est moins haram. C'est très grave, ahibati, wallahi. Et là, on vit en plein milieu de se laver des temps. Ou quelqu'un, il ramène une paire de je ne sais quoi. Combien tu l'as acheté, ta bottine? Ah, oh, cela m'a coûté 700 euros. Allahu Akbar! 700 euros, tu peux vêtir des centaines de personnes dans des villages, dans des pays pauvres. Subhanallah. Et là, on rentre en plein milieu dedans. Il a dit, Walou bis al-harir. En gros, les gens vont s'habiller en mode luxe. وَتُخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. Ah. Et régnera plus les chanteuses et les instruments de musique. Ce qui régnera le plus, c'est vous savez ça, c'est quoi ittakhadha en arabe? Ittakhadha, c'est pire que salaka ou ittakhadha, c'est-à-dire considérer, c'est-à-dire que c'est une conviction qui vient carrément du gelb, du cœur. Ittakhadhtu fulanan khalilan. C'est-à-dire que je l'ai vraiment considéré. On ne rentre plus dans le fait de le prendre, mais le considérer. Donc ils considéreront les chanteurs, les chanteuses et les instruments de musique comme étant... quelque chose à la première page, leur premier hobby. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Billahi alaykoum, depuis quand un chanteur il touche plus qu'un médecin? C'est logique ça? Il t'égare, il rigole sur toi, il rigole sur l'islam,
la suite, tu l'applaudis, tu répètes ses paroles, tu l'apprends comme si tu apprenais le kaf, comme si tu apprenais le mulk, comme si tu apprenais le fatiha, et comme si de rien n'était à la fin, tu es là, tu répètes ses paroles grossières. Ben, tu es rentré dans, tu es un objet de la fin des temps, malheureusement. Vous voyez ? Si là, là, tout ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous croyez que c'est pour nous embêter ? Vous croyez que c'est pour nous embêter ? Wallahi al-Azim, fut un temps. Je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais je suis jeune aussi. Mais du peu où j'ai vécu dans ce monde, en étant jeune, de ce que j'ai pu voir, wallahi, le grand décalage qu'il y a aujourd'hui, c'est phénoménal, ahibbati, wallahi. À l'époque, je m'en souviens, on jouait aux billes. Vous connaissez les billes ? Je pense que le plus jeune. Vous jouez aux billes encore ? Vous ne jouez pas aux billes, hein ? Il n'y avait pas de smartphone. Ah, Milhaj, regarde, il a fait comme ça. Connais. Masha'Allah. On jouait aux billes. Je ne dis pas que les billes, il faut halal, il faut jouer à ça. Non, je n'appelle pas à ça. Au contraire, allez-y lire, apprenez le ilm, etc. Mais pour te dire, c'était au moins quelque chose de ludique. On bougeait notre corps. On était précis, on touchait la chose. Il n'y avait pas de pari d'argent, il n'y avait rien, on était petit. On faisait passer le temps, comme on dit. Aujourd'hui, c'est choquant. Wallahi, c'est choquant. La jeunesse que je vois aujourd'hui, j'avais un élève à moi à la mosquée, dans une mosquée à Strasbourg. Il a peut-être 7-8 ans. Il regarde son pote, il lui dit, « Wesh frérot, ça va bien ou quoi ?» Il fait des trucs comme ça, là. Des comme ça. Avant, c'était comme ça, il y avait une vraie poignée de main. Après, c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Après, c'est comme ça. C'est quoi la prochaine mode ? Ça fait peur quand même, non ? Comment ça évolue ? Ce sera quoi la prochaine mode ? Et il lui dit, wesh frérot, t'as 7 ans. Eh, j'en ai rien à, etc. Il dit des gros mots. Je regarde comme ça, je dis, attends, c'est soit moi, j'étais sur Mars pendant un moment, je suis revenu sur Terre, il s'est passé un truc, ou il y a eu une bombe nucléaire, elle est venue, elle a ramené des nouvelles créatures, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi ce langage. Très grossier, t'as même pas envie de l'entendre, le jeune. Oh, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah ouais ? Moi, j'achète mon corps, je vois mon père, je baisse ma tête. J'ai peur, je dis, à l'époque, je m'en souviens, j'avais dit à mon père, ah, c'est exagéré ça. Il me regarde comme ça, il m'a dit, t'as dit quoi ? Je dis, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Depuis, j'ai cru que exagérer, c'était un gros mot, les frères. Non, wallah el azim. Là, je l'ai dit, mais je l'ai dit avec un peu de hashma. Les mœurs, ils changent. Et à l'époque, la sunna, elle était respectée, à Hibbati. Tu voyais, à l'époque, quand tu voyais des gens venir, et ils te rappelaient d'Allah, azza, je sais pas, ils venaient, ils te disaient, akhi, il faut faire ta salat, si, ça. Tu le respectais, tu le voyais, il avait un peu de barbe, tu le respectais. Les jeunes qui fumaient, ils rangeaient leur mégot, leur... Aujourd'hui, normal, ils lâchent la fumette sur sa tête. Wallahi al-azim. Plus de respect. Il marche torse nu comme ça, on dit pas que... Là, c'est vrai, la aura, elle est du nombril jusqu'au genou. Sahullah, pour l'homme, hein. Il vient, il marche torse nu, il y a des mamans. Miskin, il a le même corps que Moody dans Toy Story. Et il marche torse nu, Miskin. Wallahi, ça fait peur, Ahibati. Wallahi. Il marche torse nu, mais c'est juste par une question de pudeur. T'as des mamans, t'as des papas, Masakin, Wallahi, ils sont choqués quand ils voient ça. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans des gens, ils marchent torse nu. C'est pas leur mœurs. Même si la aura, c'est... Ouais, mais moi, frère, moi, la aura, c'est le nombril, genou, hein. Akhil Karim, il y a des mœurs. Al-Adatu Muhakkama Usul Fiqh. Qui dit la tradition, elle est prépondérante. Elle doit être prise en compte si c'est comme ça. Si maintenant, il te salue, je sais pas, dans un pays, je sais qu'en Asie, je crois, pour dire oui, ils font comme ça. Pour dire non, ils font comme ça. C'est-à-dire, c'est l'inverse de nous. Et pour eux, éternuer en Malaisie, c'est un manque de respect. Quand tu éternues comme ça publiquement, les gens, ils te regardent. C'est comme si tu as fait tes besoins publiquement. C'est un manque de respect d'éternuer publiquement de ce que quelqu'un m'avait dit sur place et qui vit là-bas. Il a dû se réhabituer à leurs mœurs. Et c'est tout à fait normal de s'habituer aux mœurs des gens. Tu vas venir avec tes mœurs à toi, tes mœurs de français râleurs. Tu vas dire, ah non, ça je comprends pas, ça j'aime pas, ça si, ça, ça. Parce que nous, les Français, on est beaucoup des râleurs. Pour tout et n'importe quoi, on râle. Il n'y a jamais de rida. On n'est jamais satisfait. Tout et n'importe quoi, on dit, eh, je comprends pas ça, eh si, et ça, et non. Même, c'est pas nos problèmes, on va râler sur les problèmes de l'autre.
C'est ça, wallah, il est c'est comme ça. Nous, on est, c'est nos mœurs. En Asie, ils sont pas comme ça. Je crois même qu'ils ont un indice, subhanallah, de bonheur. Je crois que c'est des smileys. Chaque matin, les gens, ils viennent, ils appuient sur un bouton, t'es content, t'es pas content. Et je crois qu'en fin de journée, ou je sais plus, c'est quelqu'un ici, Allahu alam, ils donnent le résultat de la population, du ressenti de la population. Et à la fin, il affiche, si c'est un smiley qui sourit, ça veut dire ça va, la population se porte bien. Si c'est un smiley qui montre que voilà, ça va pas, c'est que la majorité ne va pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'il fait l'État? Il fait en sorte de remédier à ça. C'est chouette, hein? Allah ybarak, hein? Je crois que c'est dans une contrée en Malaisie, je sais plus laquelle, mais c'est comme ça. Et pour vous dire, subhanallah, eh ben c'est ça, les gens ils vont considérer, ils vont prendre en d'autres termes comme limite des idoles, les chanteurs. Et aujourd'hui, bien sûr, quelqu'un il va pas écouter du violon ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, les chanteurs de la jeunesse, des jeunes de quartier, les chanteurs ou les chanteuses, c'est des rappeurs, c'est des gens qui. Je sais pas, dites-moi, ben là que je me trompe, moi je suis pas trop à la page. Mais les derniers rappeurs qui voulaient se halaliser, ils ont fait des musiques haram, des paroles haram avec des paroles bon. Et ils veulent juste donner bonne conscience qu'ils sont dans le halal et que c'est bien ce qu'ils font. Mais c'est pas bien ce qu'ils font, Ahibati. Ils sont en train d'égarer la jeunesse. Ils sont en train d'égarer la jeunesse, les frères. Leurs paroles, ils vont aller voir des sorciers de je ne sais d'où, et ils vont les écrire, ils vont aller voir des médiums, ils vont aller voir des. Wallah, c'est pas de la rigolade, les frères, ça existe vraiment. Et tout le monde, il est là, il est comme ça. Mais les frères, azzakumullah, wallah, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, leurs paroles. Comment on arrive à être attiré par ce genre de prestataire? Comment t'arrives à bouger comme ça? Comment t'arrives à répéter de tels propos? Je sais pas. Et c'est là où, quand j'ai lu ce hadith, j'ai dit, c'est bon, en fait, tout s'explique. Tout s'explique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. Qu'Allah nous en préserve. وَلَعْنُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا أَوْ أَوَّلَهَا. Le premier de cette umma, les premiers de cette umma vont maudire, ou plutôt les derniers de cette umma vont maudire les premiers de la umma. Ça, là, on est encore dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, hein, des 15 là, avant que le bala apparaisse chez nous. Il a dit les premiers, les derniers de la umma vont maudire les premiers. Allez, c'est quoi? C'est apparu ou c'est pas apparu? Avec qui? Exactement. Les rawafid, les chiites, ils insultent qui? Ils maudissent qui? Les meilleures des créatures sur terre. Ils maudissent notre mère, Aïcha, radiallahu anha. Vous imaginez? Ils insultent des compagnons comme Abu Bakr, Omar, etc. Et ça, c'est ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment toi, tu viens, tu es venu après, tu l'aimes les premiers qui ont donné secours au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ça fait partie de la fin des temps. Et là, il a dit, فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا. Il a dit, quand ça va apparaître, qu'ils attendent à ce moment-là, عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا, une fumée rougeâtre, hein, ou خَسْفًا ou مَسْخًا, ou bien de la malédiction et de la transformation. Là, vous voyez quand tout ça va arriver? Qu'ils attendent qu'il y aura une fumée rougeâtre. Et il y aura, après cela, des gens qui vont être abominés, des abominations, des gens qui vont être maudits, qui vont être transformés sous tes yeux. Tu vas voir, Allah Ta'ala va le transformer en porc abject, en singe, en je ne sais quoi, sous tes yeux. Subhanallah. C'est ça le bala. Le khasf et le qadf. Le khasf et le masr. Et les zalazil. Après, pourquoi il y a des tremblements de terre? À cause de tout ça. Comment toi qui dis la ilallah Muhammadun Rasulallah, t'arrives encore à être dans le move? Un vrai musulman, le vrai, c'est qui? C'est celui qui se distingue et qui s'écarte de ces troubles-là. Il sait que les gens ils vont prendre en considération les chanteurs, les chanteuses, etc. Mets-toi de côté, n'écoute rien. Écoute le Coran, c'est beau, mashallah, on a des récitateurs, Allahumma barik.
tu peux pas t'en passer, tellement qu'il récite bien. Le pire, c'est que tu gagnes des hasanats. Le pire, c'est que ton ibada. Le pire, c'est que ça te donne des barakat. Le pire, c'est que ça te soigne. أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدَنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Allez-vous changer ce qui est inférieur avec ce qui est supérieur? Et un autre hadith, cette fois-ci de qui? Hudhayfa ibn al-Yaman, toujours dans le même cadre des signes de la fin des temps. Et cette fois-ci, Hudhayfa ibn al-Yaman, il est allé loin dans les signes de la fin des temps. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « مِنْ اِقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خِصْلَ » Il a dit « Fais partie de l'approche de l'heure 72 signes. » 72 signes de la fin des temps. Avant que le bala te touche. Et il en a cité quelques-uns, il a dit « إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتُ الصَّلَاتِ » Lorsque tu verras les gens tuer, je vais traduire mot à mot comme ça, vous comprenez, tuer la prière. C'est bon? Vous avez besoin que je vous explique, ça veut dire quoi? أَمَاتُ الصَّلَاتِ » Plus de concentration, plus rien, ils vont la saccader. Et il dit « وَأَضَاعُ الْأَمَانَ » Et ils ne respecteront pas ou égareront les dépôts qu'on leur a confiés. وَأَكَلُوا الْرِبَى Et ils mangeront de l'usure, الْرِبَى وَاسْتَحَلُوا الْكَذِبْ Et ils autoriseront le mensonge. وَاسْتَخَفُوا بِالدِّمَى سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Et ils propageront le sang. وَاسْتَعْمَلُوا الْبِنَى Et ils construiront des hauts immeubles. وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا Et ils vendront leur religion pour cette dunya, ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il dit le Hudhayfa ibn al-Yaman? Il dit وَتَقَطَّعَتِ الْأَرْحَامِ Et tu verras les liens de parenté et familiale se dissoudre. وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضَعْفَا Et le jugement sera très faible. وَالْكَذِبُ صِدْقَا Et le mensonge ou le mensonger, la personne qui ment, on le considérera comme étant véridique. وَالْحَرِيرُ لِبَاسًا Et la soie sera portée. Bien sûr pour l'homme, parce qu'elle est interdite pour l'homme. وَظَهَرَ الْجُورُ Et le faux témoignage, etc. Ou encore الْجُورُ La criminalité ou tout ce qui est en rapport avec ce qui est mauvais apparaîtront à flot. وَكَثُرَ الطَّلَاقُ Et les divorces seront répandus. وَمَوْتُ الْفَجْأَةِ Et la mort subite. وَيْتُ مِنَ الْخَائِنِ On fera confiance à celui qui trahit les dépôts. وَخُوِّنَ الْأَمِينِ Et on ne fera pas confiance aux dignes de confiance. وَكَثُرَ الْقَذْفِ وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْضًا وَالْوَلَدُ غَيْضًا Et certes, la pluie ne sera pas en abondance. وَالْوَلَدُ غَيْضًا Et l'enfant sera rebelle. وَفَاضَ اللِّئَامُ فَيْضًا Et tu verras que les insultes et les propos obscènes se propageront. Le rap, par exemple. وَغَاضَ الْكِرَامُ غَيْضًا غَاضًا Regardez le terme qu'il a utilisé, غَاضًا. La dernière fois, on a entendu ce terme-là, il est dans Sourate Hud. وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي غِيضَ c'est quoi غَاضَ الْكِرَامُ غَيْضًا C'est-à-dire que les gens nobles, qu'est-ce qu'ils auront? Eh bien, on les feront éteindre. On va faire éteindre les gens nobles. En d'autres termes, ils disparaîtront. وَكَانَ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا Et ceux qui détiennent le commandement seront des tyrans. وَالْوُزَرَاءُ كَذَبًا Ainsi que leurs ministres qui seront des menteurs. وَالْأُمَنَاءُ خَوَانًا Et ceux à qui, oui, en réalité, ils étaient considérés auprès des gens comme étant des gens dignes de confiance, alors en réalité, seront des menteurs et des voleurs. وَالْقُرَّاءُ فَسَقًا Et les récitateurs du Coran seront pour la plupart des pervers. Yani, pervers dans quoi? Le fait qu'ils chercheront l'argent. Le fait qu'ils réciteront le Coran que pour un intérêt mondain. Etc, etc, etc. Et il a dit, إِذَا لَبِسُوا مُسُوكَ الضَّأْنِ
قلوبهم أنتن من الجيفة. Et même s'ils mettent les meilleurs muscles provenant de la gazelle, ou provenant plutôt des bovins ou des ovins, eh ben, parce que à base, le muscle, le vrai muscle, on le tire des glaires de la gazelle. Même s'ils mettent le meilleur odeur de musc, en apparence, ils sentiront les meilleures odeurs de musc, leur cœur, il sera encore plus pollué que ce que contient cette terre-là, ou qu'un cadavre. يغشيهم الله فتنته يتهوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة. Et Allah tabaraka ta'ala les recouvrira de fitna, et ils sombreront dans cela comme ont sombré les Yahouds. Et il a dit وَتَظْهَرُوا الصَّفْرَى. C'est quoi le safra? Et apparaîtront le safra. C'est quoi le safra? Si je traduis, c'est les dorés. Apparaîtront les jaunes. C'est quoi les jaunes? Vous savez? Le safra, yani dananir, les pièces d'or. Ou les pièces, le système monétaire. À l'époque, les pièces, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas au système monétaire à l'époque. Ça a toujours été du troc. Ça? T'as combien de brebis? Un? Deux? Allez, vas-y, donne-moi-en une ou deux. Je te donne telle et telle chose. Du troc. De temps en temps, c'était des pièces. En d'autres termes, le professeur Sam, il a dit, apparaîtront les pièces, le système monétaire, en d'autres termes. Comment il aurait pu deviner ça, le professeur Sam? Et il a dit, « Wa tutlabu al-bayda. » Al-bayda, c'est quoi? On a dit l'autre, c'est de l'or. Et l'autre, c'est quoi? Al-bayda, c'est l'argent. Elle sera demandée, cette darahim. Sollicitée. Aujourd'hui, tout le monde vit pour l'argent et meurt pour l'argent, malheureusement. C'est ça. Et il a dit, « Wa suwirat al-masajid. » Et les mosquées seront décorées. Et il a dit à la suite, après qu'il a parlé des mosquées, il a dit وَخُرِّبَتِ الْقُلُوبِ. Les cœurs seront morts. وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ. L'alcool sera bu. وَعُطِّلَتِ الْحُدُودِ. Les pénalités ou les exercements de peine seront pas mis en exécution. Et à chaque fois, on trouvera une excuse pour la mettre. وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا. Et l'esclave engendrera sa maîtresse. وَتَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ وَقَدْ صَارُوا مُلُوكًا. Et tu verras les va-nu-pieds, les bédouins de l'époque, s'enrichir jusqu'à devenir des rois. وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ. Et la femme s'associera avec son mari dans le commerce. Allahu Akbar. وَتُشَبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ. Et les hommes chercheront à ressembler aux femmes. وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ. Et les femmes chercheront à ressembler aux hommes. وَحَلَفُ وَالْحَلِفُ بِاللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفُ. Et les gens jureront sur Allah sans qu'on leur demande de jurer. Wallah, 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 wallah. On l'entend ou pas? Alors t'as des wallah, t'as des wallah, t'as des wallah, t'as des... Demain ce sera quoi? Wow. On a tout inventé. Allah yestur. Allah lahister. Ça veut rien dire en arabe, lahister. Pas de l'arabe. Allahu yasturu. Si on veut faire une vraie jumla. Allahu yasturu. Déjà, c'est parti sur du Allah yastar. Après, c'était quoi? Laister. Après, c'était quoi? Laister de l'Angleterre. Wallah, et des fois, les gens me disent Laister. J'arrive plus à la différence entre ce qu'ils disent Laister et Laister.
J'ai le seum. Le seum. Je ne sais pas ça veut dire quoi, ce seum. Mais le langage, bien sûr, il va se modifier. Les gens ne seront plus les mêmes. Les gens jureront pour Allah, sur Allah, pour rien. À peine ils te voient, ça va frérot. Eh wallah, la galère. Eh wallah, demain je vais. Eh wallah, il m'a dit. Eh wallah, je vais lui faire. Eh wallah, je vais. Eh wallah. Khali, wallah. Mets de côté. À l'époque, les vrais hommes. Les vrais, hein. Wallah, les vrais rijal. Ils juraient pas wallah comme ça. Quand ils donnaient une promesse, ils disaient, demain on se voit, Inch'Allah. Y a pas. Wallah, t'inquiète, compte sur moi, je serai là, là, là. Aujourd'hui, tu sais que quand tu jures wallah, les gens ils vont te croire. Donc tu utilises Allah dans tes serments. C'est ce qu'il dit le prophète ensemble. C'est le signe de la fin des temps. La religion sera banale pour toi, sera secondaire. Ça prouve que la religion sera secondaire. Ah, je sais que si je dis wallah, il va m'écouter. Eh ben wallah, je vais dire wallah. C'est comme ça. Wallah, c'est. Vas-y, crée la fin des temps. L'homme témoignera sans qu'il n'ait assisté à la scène. Ou sans qu'on l'ait appelé à témoigner. Je sais pas si vous voyez un peu le contraste. T'arrives? Si, je l'ai vu. Tu viens d'où toi? Wallah, il s'est déjà arrivé plein de fois. Je l'ai vu, il a fait ça, j'ai vu. Et ça fait partie de la signe de la fin des temps. Le faux témoignage. Wa at-taslimu lil ma'rifa. La salutation que par connaissance. Je te connais, je te salue. Je te connais pas, je te salue pas. Ça, on l'avait vu déjà. Et là, ici, t'as encore dit, wa tafaqquhu li ghayri d-din. Allah! At-tafaqquhu li ghayri d-din. Le fait de s'instruire vers des branches autres que l'instruction religieuse. Il y a ou il n'y a pas? Même nos écoles au bled, ils veulent retirer la tarbiyya islamiyya en primaire. Apprends, je connais, c'était qui Molière? C'est bien, c'est pas interdit, cultive-toi. L'islam te demande de te cultiver, attention. Et ta religion, tu l'as mis où? Secondo. Et il dit, par la suite, il poursuit, il dit, وطلبت الدنيا بعمل الآخرة. La dunya, Allahu Akbar, sera convoitée avec des œuvres de l'au-delà. Les gars, vous avez saisi ou pas? Non. Je répète, la dunya sera convoitée en utilisant les œuvres de l'au-delà. Non, vous n'avez pas compris, je crois. Ok. En gros, tu vas utiliser le dîn pour convoiter cette dunya. En gros, tu vas montrer une apparence, comme il a dit Ali ibn Abi Talib à Abdullah ibn Abbas, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Avec les Khawarij qui sont venus disputer le califat de Ali. Ils ont dit une parole vraie, kalimatu haqq, mais ils veulent le faux derrière cette parole vraie. C'est exactement ça. Les gens, ils vont prêcher l'islam, utiliser l'islam, parce qu'ils savent que ça va attirer tout le monde, les musulmans, tout le monde, que ce soit les faibles de conscience ou les gens sincères, pour qu'au final, quoi? Pour qu'au final, eh ben, ils tirent un intérêt ou un profit de ce bas monde. Et ça, on l'a vu, hein. On l'a vu, hein. Entre des personnes qui sont affiliées à du sectarisme, malheureusement, et qui font tout pour leur cheikh, ils lui donnent des millions, et quand leur cheikh leur demande des choses bizarres, ils le font, etc., etc., etc. Ils utilisent des œuvres de l'akhirah pour convoiter ce bas monde. Les faibles d'esprit, les gens sincères, ils vont les suivre, vont dire, c'est mon cheikh qui m'a dit, je le fais. Alors que derrière, en vrai, c'est même pas un cheikh, c'est même pas un wali. C'est peut-être quelqu'un qui t'arnaque et tu te rends même pas compte. Je vais pas citer les histoires, mais elles sont écœurantes. Et ensuite, il a dit, il a dit, et l'homme, l'homme se séparera, ou, comment on dit?
C'est pas rat de son père, mais un truc pour dire aqa, yani. C'est pire, couper les liens. Non, couper les liens plutôt. Aqa, c'est couper les liens. L'homme, il coupera les liens avec son père. Wajafa ummahu. Il calculera même pas, il méprisera sa mère. Wabarra sadiqa. Et il sera bon avec son pote. Et il obéira à sa femme. Là, il reproduit encore, il redit encore Huzaifa. Et la voix des pervers retentira dans les mosquées. واتخذت القينات والمعازف وشربت الخمور في الطريق واتخذ وبيع الهدم وكثرت الشرط et il y aura les pouvoirs, le pouvoir judiciaire et militaire sera en abondance. Ah, واتخذ القرآن مزامير. الله أكبر. Ah. On considérera le Coran ou le Coran sera considéré comme étant The Voice. Excuse-moi de traduire comme ça, il faut vraiment que tout le monde comprenne le hadith. Le Coran sera considéré comme étant une belle voix, c'est tout. Les gens, ils vont l'écouter juste parce que la voix, elle est belle. Les gens, ils vont avancer des gens, se diriger à la prière juste parce qu'il a une belle voix. Ils s'en fichent de son ahkam, ils s'en fichent de ce, est-ce que il récite conformément à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou pas. Et, juste parce qu'il a une belle voix. Ramenez les qurra. Ça fait partie de la fin des temps. Et wallahi al-azim, c'est ce qui arrive et j'en témoigne devant Allah azza wa jalla. Ben oui. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils récitent un med de 6 temps, il te fait 37 temps. Illa man rahim Allah. Des fois, c'est 150 temps quand tu calcules. Il y a 6 temps. T'as un ishba', c'est 6 temps. Hein, on lui dit, voilà, dallin. Il va dire, voilà, dallin. Il va aller tout loin et il va terminer avec. Deux temps, trois temps, quatre temps, c'est pas ça l'ishba. Et donc parce qu'il aura une belle voix, tout ça pour les maqamat, pour le son, pour la mélodie. Vous voyez? Mais pas pour ce que contient vraiment le texte du Coran. Wallah, j'ai connu une personne qui ne connaît strictement rien de l'arabe et qui avait appris une bonne somme du Coran, mashallah. Tellement il était épris par où il était pris plutôt par sa belle voix, il a pleuré dans le verset où Allah Ta'ala a dit « Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. » Wallahi l'azim, wallah. Et il te questionne sur les menstrues, dit que c'est un mal. Il a pleuré. Parce qu'en fait, il n'a pas pleuré par khushu', parce que le sens du verset, parce que sa voix l'a emmené vers un maqam qu'on appelle maqam saba. Pour ceux qui connaissent un petit peu, et il a commencé à pleurer. Wallah, devant moi. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Il dit, je sais pas, ça m'a fait. Je savais pas quoi lui dire, les frères. Wallah, je savais pas quoi lui dire. Wallah, imaginez-vous, c'est gênant. Wallah, c'est gênant. Rit a pleuré sur des versets où ça parle de la menstruation des femmes. C'est-à-dire, maintenant, je veux bien te dire, mashallah, tu es sincère et tout. Moi, je connais pas ton cœur. Mais arrête les mélodies si c'est pour pleurer à cause de la voix. Pleure parce que le sens, il est important. Le sens, il t'a percuté. Arrête-toi sur ce verset, médite dessus. Allahu Akbar. Wallahu musta'an. Ensuite, il a dit, on avait vu ce hadith aussi, mais il a quand même rappelé dans celui-là. Et les mosquées seront prises comme étant une voie, une route ou un chemin. Etc. Et il a dit, il a dit, une fois que tout ça va passer, le Hudhayfa ibn al-Yamān, qu'ils s'attendent à ce qu'apparaisse une nuée rouge, ou plutôt une vague de vent rouge. Rougeâtre, wa khasfan wa masran, une abomination, une transformation, et des ayats. Ayats, c'est quoi? Des prodiges contre eux.
Quand Allah Ta'ala il parle des ayats, c'est-à-dire il fait référence aux choses, aux malédictions qu'il va faire descendre sur les gens. D'ailleurs, il dit wa ma unursilu bil ayati illa takhwifa. Nous envoyons des signes, mais ce n'est pas des signes. Ici, c'est des épreuves de malédiction que pour les rappeler ou leur faire peur. Par exemple, les zalazil, les tremblements de terre, les transformations, les etc. etc. Non. Donc vous avez vu, le hadith il est long, mashallah, Allahumma barik, très très long. Et on a fini le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman concernant cela. Qu'est-ce qu'on retient, Hibati, au final? En réalité, tout ce qui va contre le sens de la sunna et des mœurs logiques des sociétés dans lesquelles ils vivaient fait partie de la saint des signes de la fin des temps. C'est-à-dire des mœurs logiques. En d'autres termes, pour les gens, c'était tout à fait normal de respecter leur engagement. Quand tu vois leur engagement, il va plus être respecté, ça fait partie. C'est un dérèglement. C'est un dérèglement. En fait, ça y est, tout est déréglé. Comment? Le pervers, ce sera lui qui sera mis au devant. Comment? Le digne de confiance sera lui qui sera rabaissé. On le vit nous-mêmes, par exemple, nous les musulmans. Wallahi al-azim, je le dis avec fierté et certitude, dans cette société, il n'y a pas plus véridique, sincère et digne de confiance parmi toutes les autres communautés, si ce n'est les musulmans. Wallahi al-azim, si les infidèles ou les non-croyants verraient comme nous, on sait, comme nous on est vis-à-vis d'Allah, notre crainte par Allah, wallahi al-azim, ils nous respecteront. Wallah, ils nous respecteraient. Juste pour ça. Certains, ils le savent, ils nous respectent. Ben oui, quand monsieur ou madame fait tomber ce portefeuille, elle tombe sur un bon musulman derrière, il le ramasse, il lui rend. Parce qu'il a peur d'Allah. Mais si elle serait tombée sur un autre, il l'aurait mis dans la poche. Un bon musulman. Et wallahi al-azim, ça c'est notre plus grande fierté. Notre plus grande fierté, c'est qu'on est les meilleurs sur terre. Vous savez pourquoi? N'importe qui peut chavirer, sauf nous, dans ça. Parce que nous, on a ce waswas là, à la fin qui va dire, ouais mais attends, si maintenant je me l'accapare, j'ai un seigneur. On a cette croyance, on a peur, il n'y a pas un vide. Je l'ai volé, c'est bon les gars, personne ne m'a vu. Vous voyez? Je l'ai volé, ah, il y a encore quelque chose, je ne peux pas m'en débarrasser, c'est la vision d'Allah sur moi. Subhanallah, très important de retenir cela. هذا والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ها؟ ميغال.